Bienvenue dans le game. Je commence ce petit direct vite fait. C'est un petit direct de 20 minutes, 30 minutes. En te disant ceci. Tu es venu sur les réseaux sociaux. Tu es venu en tout dans le mbrakata. Dans la boue, dans le poto-poto. Je pense qu'ici sur les réseaux sociaux, je suis la seule qui t'a fait comprendre que le chemin du mbrakata, le chemin de la boue, le chemin du poto-poto n'est pas un bon chemin. Tu as dit que tu es faux. Or, toi, tu n'avais pas le mental pour supporter. Tu ne peux pas supporter. Tata Na est venue ici là. Pour peu qu'elle ait dit seulement que tu ressembles à un bulldog, tu es parti faire citation directe. Jusqu'à demander combien? 13 000 euros de dommages et intérêts. Juste parce qu'elle a dit que tu es un bulldog. Tu as couru. Tu es parti faire citation directe. Tu en es où dans ton procès? Ça te fait comprendre que tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter. Aujourd'hui, tu pleures. Tu cherches les alliés. Tu chouines. Tu cherches les alliés. C'est pas ça. Tu n'es pas allé faire citation directe à Tatana. Elle avait dit quoi de mal? Si elle dit que tu es un bulldog, ça fait quoi? Tu n'es pas un bulldog. Tu te lèves, tu pars porter plein de citations directes. Tu lui as remboursé les frais d'avocat. Avant de chercher les alliés, tu lui as remboursé les frais d'avocat. Hein, Pan Johnson? Tu lui as remboursé les frais d'avocat. Tu lui as remboursé les frais d'avocat. Petite insulte comme ça que tu ressembles à un bulldog. C'est faux? Que tu ressembles à un bulldog? J'étais fait ma boue. Tu as payé ma boue. Pourquoi? Avec tout ce que tu m'as dit sur les réseaux sociaux, avec tout ce que tu as fait sur mes entreprises, tu avais besoin de payer ma boue. Tu es malade. Tu es malade. Juju, j'espère que tu vas bien. On y va, on partage. Juju, tu n'as pas partagé. Vas-y, partage. Je suis sur officiel. Ici, là. Pendant ça, a bloqué l'autre page. Je suis sur toi, Pendant ça. Prends tes mimbans, flippé, frelaté. Tu entres. Tu as pris mon caleçon, tu as montré cela avec 6000 personnes connectées. Mais ça ne t'a pas suffi. Il a fallu encore que tu ailles payer l'abbé Samé avec tout ce que tu as raconté sur moi, avec tout ce que tu as dit sur moi. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que ton obstination à vouloir être le président Amote, ça ne passera pas. Amote te dépasse. Amote te dépasse. Tu as entendu, non? Il te dépasse. Tu es trop complexé. Tu ne seras jamais lui. Connard. On va rentrer en 2024 ensemble. J'espère que vous avez signé la pétition. Ne venez pas écrire comme ça. Il faut signer la pétition. On va te pourchasser. Tu as vu comment j'entre en 2024 avec toi, non? Tu as vu, non? Tu as vu comment j'entre en 2024 avec toi? En taekwondo, j'entre en 2024 avec toi, Panjansan. Tu vas entrer en 2024. Tu vas entrer en 2024, là. Tu vas entrer en 2024. Tu as entendu, non? Tu as demandé à l'abbé Samy de m'insulter. Pourquoi? Tu bloques ma page event. Tu remercies qui? Lolo a bouffé l'Ndjangui depuis le mois de janvier. Tu as déjà fait un direct pour la soutenir. Quand son hécatoma est sorti, c'est là, tu l'as soutenu, Panjanson. Quand on t'a marché de direct en direct, même dans les directs de ta soeur Ngospit, on t'a même parti insulter Lolo là-bas. Toi, tu as déjà fait un direct pour soutenir Lolo. Les gens sont allés dans les deuils de Céline Adouane jusqu'à attacher les cordes. Attachement de cordes. Tu as déjà fait un direct. Tu as déjà parlé de Lolo. Tu as fait un direct pour la soutenir. Ça t'arrangeait. Ça t'arrangeait bien. Aujourd'hui, tu ouvres ta misérable bouche pour dire que je remercie les Lolomaniens. Je remercie avec tout le mal que tu as fait aux gens. Tu as soutenu qui on a vu ici là. Les Lolomaniens viennent te soutenir. Pendant que Lolo bouffait le Ndjangui là, tu as fait un direct pour soutenir Lolo. Toi, quand? On ne pleure pas. Tu chumes pourquoi? Tu pleurniches pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Qu'est-ce que tu as raconté ici là sur la grue Davos? Tu n'as pas dit que la grue Davos était parfaite? Tu n'as pas dit que la grue Davos était parfaite. Elle était la boss lady. Elle était la boss lady. Elle était la boss lady parfaite. La grue Davos, meilleure chef d'entreprise. La vraie femme. De tout ce que tu as raconté, tu en es où aujourd'hui? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'entrer dans le clash? Un clash que tu aurais pu éviter? Tu n'as pas honte d'entrer dans un clash avec ta gospute? Aujourd'hui, je vais te regarder comment? Gospute que tu as envoyé me clasher? Gospute que qui clashait? Zéro diable. Il n'y a pas de diable. Il n'y a pas de diable là. Il n'y a pas de diable. Apporte-moi ta tête. Cocotta sur ta tête. Cocotta sur ta tête. Cocotta sur ta tête. Je commence 2024 comme ça. Voilà. Ose Marius. Vas-y. Je commence 2024 comme ça, la bande Janson. On va arriver. On va arriver en 2024. Là. On va arriver en 2024. Où est la grue Davos aujourd'hui? Où est la grue Davos aujourd'hui? Elle est où? Elle est où?
Tu as bouffé le djangui, c'est là parce que je n'étais pas là. On t'a caressé parce que je n'étais pas là. En bac, je suis rentrée pendant ans. Toi et moi, là, c'est avec les mi-bancs que je vais t'arracher les mi-bancs. On va entrer en 2024. On va entrer en 2024. Tu vas entrer en 2024 là avec moi ici. Là. Vas-y. Vas-y, défends-toi. Vas-y, défends-toi. Tu es où? Tu es assommé. Hein? Tu ne sais pas faire le vu ignoré. Tu ne t'avais pas appris qu'il faut faire le vu ignoré. Hein? Le président ne t'a pas appris qu'on fait du vu ignoré. Hein? Hein? Tu ne vois pas le comportement du président Amout. Tu l'as vu déjà venir te répondre. Hein? Amout te dépasse 100 fois, 1000 fois. Depuis qu'on répond aux gens. Hein? Tu t'es creulé avec les femmes. Te clashé avec les femmes. Tu as fini quoi? Assassin. Tu as fini quoi? Meurtrier. Faites entrer le meurtrier. Faites-moi entrer le meurtrier là. Taguez-moi le meurtrier là. Tu as fini meurtrier. C'est la remontada. Elle m'avait dit, je vais finir avec toi. C'est la remontada. On va courir. On va courir. Chaque jour de 2024, on va courir. Jusqu'au début des Jeux Olympiques. On va courir, Panjansan. Tu as fouillé dans les vies des gens. Qui fouille dans la tienne? Hein? Tu es parti t'associer avec Oralède, non? Tu es aujourd'hui dans ton association. Aujourd'hui, elle dit que tu es un voleur de cadavres. Hein? Tu n'as même pas donné un centime. Oralède est en train de te clasher là-bas. Ton associé, elle est venue sucer son sale pouce. Elle est venue sucer son sale pouce sur ta page. Parce que tu voulais combattre le chopard. Tu voulais me combattre. Tu as invité Oralède à venir sucer ton sale, son sale pouce là. Aujourd'hui, tu es où avec elle? Hein? Tu es où avec elle? Aujourd'hui, tu es où avec elle? Aujourd'hui, elle dit que tu étais marié avec un homme. Donc, tu es comme ça, là, tu as les caoulos de marié avec un homme. Ta vie va sortir. Ta vie va sortir, cela. Ta vie va sortir. Ta vie va sortir. On va entrer. On va entrer. Tu vas courir dans le sac de piment. Tu vas te chauffer. On va entrer. On va entrer en 2024, là. Même par force. Tu es où? Tu as vu une sorcière comme ça, là, comme Oralède. C'est avec elle que tu es partie t'associer. Tu t'attendais à quoi? Hmm? Quand toi-même, tu vois Oralède, là. Tu l'as ramassé parce que tu voulais le buzz de la monétisation pour les vues, pour aller voler le cadavre de Mathilde Brun. C'est ça que tu voulais. Tu as participé à cette escroquerie, tu as participé à cette extorsion de fonds parce que tu voulais combattre qui? Chopard ou bien moi? Hein, tu voulais combattre qui? Chopard? Je ne t'avais pas dit que l'histoire que tu appelles aide-moi à détester allait t'associer avec n'importe qui là pour dire que tu combattes déjà. Je ne t'avais pas dit que ça allait finir mal avec toi. Je ne t'ai pas dit ça. Soutenir pour faire quoi avec? Hein? Pour faire quoi avec? Pourquoi ça te pète à la figure après? Tu es où aujourd'hui? Tu es où aujourd'hui? Tu n'as pas honte de tout ce spectacle que tu es en train de monter sur la toile depuis longtemps? Te clasher avec Ngospit, la petite soeur de Facebook? Tu n'as pas honte de te clasher avec elle? Jusqu'à elle mettre tes voix, tu mets aussi les voix. Vous vous mettez les voix, vous vous voicez. Je me voice, tu te voices. Donc vous vous voicez quoi? Hein? Vous n'apportez les nouveaux mots. Vous vous voicez. Donc ta petite soeur et toi, vous vous voicez. Hein? Vous, Ngospit et toi, vous vous voicez. C'est ça, non? Hmm? Quel est le spectacle que tu montres là? Hmm? Quand c'était moi, j'étais dans moins cher, non? Voilà la baisse à me là-bas qui t'a dépassé. Si c'est moi, c'est que tu as sorti mon calisson 10 fois. Hmm? Voilà un gospute qui t'a dépassé là-bas. Elle t'a lavé, séché, rincé. Voilà Gouta Boss qui te lave. Elle t'a lavé. Donnez ton vrai nom. Tu peux parler. Tu peux parler. Est-ce que tu peux parler? Hello Koki, bonjour. Tu peux parler? Hein? Quand c'était moi ici là, qu'est-ce que tu racontais? Goho, elle m'a dragué. Goho, elle est venue avec la sorcellerie. Goho, elle a fait ceci. Parle encore maintenant. Voilà Gita Bouss qui t'a dépassé. Hypercute. Parle encore maintenant. La Gita Bouss t'a donné sa tue. Voilà comment on va entrer. On va entrer comme ça en 2024. Oui, je suis en tenue de taekwondo. On va entrer comme ça en 2024. On va entrer comme ça en 2024. C'est le taekwondo. Par force. Tu vois avec la Gita Bouss. Elle n'est plus parfaite. Maintenant, elle est devenue le diable qui s'habille en Prada. Hein? Tu es comment? Pas avec les femmes. Répète. Connard. Répète. Cancre. Répète. Dio. Répète. Chien. Tu clashes avec qui? Un déchet comme toi. Tu as insulté le mari de la baronne de Suisse jusqu'à ce qu'il est mort. Hein? Tu as insulté le mari de la baronne de Suisse, non? Tu le connaissais où? Il t'a fait quoi? Tu l'as vu ici dans les clashs. Comme tu as insulté mon mari, tu as insulté le mari de la baronne de Suisse. Tu fais quoi avec les maris des gens? Tu fais quoi avec les maris des gens? Hein? Ta sapac de bordel de Gontouman Oxeline là. Qui a parlé d'elle? Qui a parlé d'elle ici là? Tu fais quoi avec les maris des gens? Hmm? C'est pas toi qui a insulté le mari de la baronne ici là. Il te doit combien? Il te devait combien? Tu l'as insulté pourquoi? Hmm? On va entrer en 2024. On va entrer en 2024, Panjanson. Panjanson, reste là, on va entrer en 2024. Tu as insulté le mari de la baronne de Suisse pourquoi? Non, je voulais savoir. Dis-moi pourquoi tu as insulté le mari de la baronne de Suisse.
Tu as atterri sur mon mari, pourquoi? Il t'a fait quoi? J'ai dit à Amandine, tu riais. Par exemple, ça ne supporte pas le clash, mais le gars l'a vu clasher. Il t'a fait quoi? Tu ramasses les maris des gens, tu insultes. On t'a fait quoi? Nos maris t'ont fait quoi? C'est quoi le game? Hmm? C'est quoi le game? Tu cherches quoi? Réellement. Tu vas entrer en 2024, de près ou de force. Tu vas entrer en 2024. Je vais t'apprendre à choc maîtrise. On va te dire ce qu'on lance indirect de 6 heures de temps. Tu dis que tu insultes les gens, les bijoux, bibora, l'argent ouf. Qui sera ta prochaine milliardaire? Gutabo, ça fermé le robinet. Tu vas faire comment? Hein? Relève-toi. 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 Connard. Relève-toi. Oh Dieu. Relève-toi. Chien. Vas-y. Viens ici. Quand c'était moi ici, là, tu étais fort. Tu te lèves, tu fais les directs. Jusqu'à tu danses. Tu danses. Tu danses. Tu danses. Tu te fais, tu laisses, tu fais les directs, tu danses. Tu es où aujourd'hui? Hein, Gutabo, t'as assommé, c'est ça? Elle t'a tellement assommé que tu es sorti pour dire qu'elle est le diable qui a dit qu'il s'habille en Prada. Hein? Tu as déchiré les baskets là ou pas? Lance le direct, tu déchires les baskets. Voilà, lance le direct. Imbécile, minable, minable mendiant que tu sois. Tu n'as pas honte? Une femme t'a offert les baskets avec toi et ta femme. Hein? Petit mendiant, tu n'as pas honte? Rembourse ces 300 euros qu'elle t'a donné pour t'en laisser. Rembourse ça vite. Choigne, rembourse. Casse-moi les lunettes là si tu es un homme. Casse les lunettes si tu es un homme. Mendiant que tu sois. Benjansan, l'année là va commencer, oui. De 2024. Quand tu dis que c'est l'année olympique. Paris 2024, les Jeux olympiques. Toi, tu veux blaguer avec moi. Tu veux blaguer avec moi. Hein? Le clash qui part. On t'a pas dit que le clash est le cardio. Le clash qui part. Le clash qui part. Le clash qui part. Tu as le cardio. Tu as le cardio. Le clash qui part. Tu as le cardio. Tu as le cardio. Entre en 2000 qui? Du Cagnéré. Du Cagnéré. C'est du Cagnéré que toi tu envoies me clasher. Hein? C'est du Cagnéré que tu envoies. La baisse à m'état lâché maintenant. Tu envoies du Cagnéré. Du Cagnéré, c'est quelqu'un. Le nain du jardin. C'est lui que tu envoies. Hein? Dis à du Cagnéré qu'on se croise à Paris. Je finis avec sa race. Je finis avec lui. Dis à du Cagnéré, si je le vois à Paris, je finis avec lui. Deux places. 100 personnes pour séparer. C'est du Cagnéré, c'est quelqu'un. C'est un humain, ça. Il a fini de grandir. Il a d'abord grandi quand? Le nain du jardin a grandi quand? C'est lui que tu envoies. Hmm? Tu es au sol. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est du Cagnéré que tu envoies. Tu es un homme, toi. Hein? Donc, tu as fini d'envoyer l'abbé Samy jusqu'à ce qu'il t'a fui. Aujourd'hui, tu viens inventer les choses. Tu as inventé quoi sur la baronne de Suisse? Tu as ramassé un junkie pour venir inventer les bêtises, les conneries sur la baronne de Suisse? Tu vas bouffer les 5 millions. Tu vas bouffer les 5 millions. De gré ou de force, tu vas bouffer les 5 millions, que tu le veux ou pas. Qui t'a dit d'aller raconter des choses? Donc le clash t'a dépassé. Hein? Le clash t'a dépassé. La Gruta Boss t'a gagné. Tu te lèves, tu inventes les affaires. Petit l'abbé Samé, il t'a gagné. Tu as fini de l'envoyer m'insulter. Et tu te lèves, tu inventes des affaires. Tu inventes des conneries pour dire quoi? Hein? Tu inventes des conneries pour dire quoi? Je t'ai dit que je te donne 30 petites minutes, pas plus. Pourquoi tu as signalé ma page? Tu as signalé ma page pourquoi? Hmm? Je suis sûr. Tu payes Bitouma. Tu payes les junkies au Maroc. Tu vas t'en sortir. Tout ton argent va finir pour un clash. Il y a quoi dans le clash? Jusqu'à ce que tu veux finir ton argent. Il y a quoi dans les clashs, Panjanson? Hmm? Tu veux finir ton argent pourquoi? Tu payes les gens par-ci par-là pour que les gens te soutiennent. Tu fais quoi avec le soutien des gens? Tu as vu les gens me soutenir? Hein? Tu as vu les gens me soutenir? Tu as vu les gens me soutenir? I'm back. Tu vas bouffer tous les noms que tu as déposé ce dossier-là sur la baronne de Suisse. Tu vas bouffer, ça compte sur moi. Tu vas bouffer tout ce que tu as inventé sur la baronne et tout ce que tu as inventé sur Niat. Tant que tu ne viens pas dire la vérité, c'est là que l'histoire a été inventée. Je te dis que tu vas bouffer ça. Tant que tu ne viens pas dire ici là que l'histoire a été inventée, tu vas bouffer ça. De gré ou de force. Et toutes les inventions que tu as faites sur moi là. Tout ce que tu as fait sur moi là. Tout ce que tu as inventé, tout ce que tu as menti là. En 2024, c'est comme ça que je t'attends. En 2020, dès que tu sors, tu lèves un peu la tête. Pja! Dès que tu lèves un peu la tête. Pja! Dès que tu lèves un peu la tête. Pja! J'ai le temps. J'ai l'énergie. Tu as entendu, non? 2024, c'est l'année olympique, c'est j'ai le temps. Lève un peu la tête. Tente de dire que tu me cherches. Tente-moi un peu. Tente. Teste-moi un peu. Tente. Lève un peu la tête. En 2024, c'est tu t'attends comme ça. Tu t'attends comme ça. Je suis prête. Lève la tête. Lève la tête. Relève la tête. Lève-toi.
Lève-toi, connard. Vas-y, lève-toi. Banja Ansan, tu vas entrer en 2024 là, avec moi. Des gros de force. Même pas tes mimbang, pas tes couilles. Je vais t'arracher. Je vais te tirer par les mimbang. Tu vas venir entrer en 2024. Forcé, de gros de force. Chaque personne que tu envoies m'insulter. Coucou, dim dim. Chaque personne que tu envoies m'insulter. Je lance le direct, je te rembourse ça. Dès que du canière m'insulte, je lance le direct, je te rembourse ça. On va courir. On va courir. Je vais te piétiner jusqu'à la dernière énergie. Entre toi et moi, c'est jusqu'à ce que le sang coule. Jusqu'à ce que le sang coule. Jusqu'à ta rupture d'anévrisme. Tu as entendu avec quoi? Jusqu'à ta rupture d'anévrisme. Jusqu'à ton AVC en direct. Tu veux la monétisation, non? Tu vas manger l'argent de la monétisation de l'AVC en direct, là. Tu vas voir. C'est toi qui n'as pas le cardio. Mais c'est toi qui protège, qui clash les gens. Tu n'as pas le cardio. C'est toi qui clash les gens. Tu n'as pas le cardio. Tu ne supportes pas les clashs. C'est toi qui clashes les gens. Tu es sorti d'où? Hein? Tu penses que je rigole avec toi? Nous sommes en 2024. C'est un petit délai de 30 minutes pour toi. Teste-moi. Teste ton dernière là que tu dis que tu entres dans le clash. Je t'attends. Lève un peu. Il dit que lève un peu la tête. I am back. I am back. Lève. Tente. Tente ta main contre la tête. Tu dis que tu vas lever la tête. Tente de lever la tête. Tu vas me sentir. Lève la tête. Lève la tête. Dès que tu lèves la tête, je t'assomme, bim. Dès que tu lèves la tête, je t'assomme, bim. Dès que tu lèves la tête, je t'assomme, bim. Accusé, hein. C'est chez Amek, Amek, c'est fait entrer l'accusé. Chez moi, là, la boxe, c'est fait entrer le meurtrier. Tu vas sentir ça. Tu vas sentir ça sur ta peau. Tu vas sentir ça sur ton corps. Tu vas sentir ça jusqu'à ce que le sang coule. Toi et moi, je ne t'ai pas envoyé. D'accord? Tu as dit que tu voulais clasher. Je ne suis pas responsable du clash avec ta soeur. Vous avez dit que vous êtes des soeurs. Vous avez dit que tu es bassa avec elle. Tu as dit que tu la soutiens. Tu lui as dit de me clasher. Tu as payé la vie, Samy, pour me clasher. Tu en es où aujourd'hui? Tu en es où aujourd'hui? Tu en es où aujourd'hui? Hein? Dis-moi où tu en es aujourd'hui. Tu n'as pas honte d'afficher ce spectacle? Tu n'as pas honte? Hein? Tu n'as pas honte d'afficher ce sale spectacle? Hein? Aujourd'hui, Ngospit est partie. Elle est partie avec sa bosse. Hein? Elle t'a arraché le porte-monnaie. On a fermé le robinet. Crevard. Crevard. Oui, le sport de ça. C'est chaque jour 30 minutes de sport. Sur Pan Janson. 30 minutes. Alors, la Gritabo a fermé le robinet. C'est fini. Elle ne te donne plus l'argent. C'est ça. C'est pour ça que tu en veux à ta soeur. Donc, vous discutez milliardaire. Vous deux. Donc, tu es toi, tu es mendiant. Tu es mendiant pro max. Vous discutez la milliardaire. Vous discutez la Gritabo. Ah bon, le robinet est fermé. Voilà. Va répondre. Réponds. Réponds comme le robinet est fermé maintenant. Tu as dit que tu veux clasher, non? Réponds alors. Voilà le robinet qui est fermé. Voilà de ta bosse qui te dépasse. Réponds. Réponds alors. Tu dis maintenant que tu vas entrer dans l'habitation. Tu as quelle compétence? Hein? Tu as quelle technique de vente? Tu as quelle méthode de vente? Bicine. Tu penses que c'est en venant me clasher que tu vas poser l'habitation et dire que tu vas vendre? Moi, si. Tu penses que je vais te laisser? Hein? Tu penses que je vais te laisser? On va courir. On va courir là en janvier. Apporte-moi l'habitation là. Pose ça un peu sur la table. Je vais t'enlever tes mimbars en direct. Tu vas sentir ça. Tu vas sentir ça. D'accord? Je vais t'enlever tes mimbars en direct. Pose l'obligation là en janvier. Une piscine. Depuis que tu as été impressionné par le chiffre d'affaires de la Glutabos, quand elle est partie lancer la gamme Mabouya, vous étiez ébloui. Vous étiez ébloui par son chiffre d'affaires. Vous êtes devenu fou. C'est ça? Vous êtes devenu fou. C'est ça? Hein? Ta femme et toi, vous êtes devenu fou. Vous vous êtes dit que non, il faut aussi faire votre part. Est-ce que vous avez les compétences pour vendre? Vous connaissez quoi, Jansan? Le brûlé que tu as sur ta peau? Regarde comment ta peau est cramée. Tu as vu comment ta peau est cramée? Hein? Tu as vu comment ta peau est cramée? Le brûlé. Et tu comptes en sortir? Chaque jour, 30 minutes de direct sur toi. Chaque jour, 30 minutes de direct sur toi. Dès que l'année commence, là, dans quelques heures, chaque jour, 30 minutes de direct sur toi. Ça va boxer dur. T'en fais entrer l'accusé. Faites entrer le meurtrier. Ça va te percher. Je ne vois pas ce que l'abbé Samet a dit. Parce qu'il a sorti les voices. Tu commandites ton assassinat. Tu es malade. Tu veux assassiner Samet pourquoi? Tu veux assassiner Samet pourquoi? Quand vous étiez ensemble, là, vous étiez allé, j'étais là. Quand vous étiez allé, est-ce que j'étais là? C'est la question que je te pose. Cherche quoi sur les réseaux sociaux? Le clash, on va courir. Chaque jour. Je dis que chaque jour, 30 minutes. Pas plus. 30 minutes. Je te fais ça dur, je te mets les hypercutes. Tu sens ça sur ton corps. Pendant ça, tu vas te relever.
Oui. C'est juste, je sais que c'est jusqu'à la dernière goutte de sang, là où tu es parti, là. On va courir. Tu vas te relever. Ça pack. J'arrive sur toi. Relève la tête. Tantôt, moi, tu relèves la tête. Pas les pets que tu as monté mon calisson, si là, je t'ai refusé. Relève la tête. Tente. Teste. Relève celle que. Tente, dis que un peu. Celle que mets un peu mon nom dans tes bêtises, là. Tu vas sentir que je suis revenu. Tu vas sentir qu'on va courir. Oui, je le boxe. Oui, je le boxe. Parce que celui-là, ça arrivait à la boxe. Ça arrivait à la boxe. Ça arrivait à la boxe. Quand il mettait mon caleçon, je le laissais. Il pensait qu'il était trop fort. Je vais courir avec ton âme. C'est-à-dire que je vais m'envoler avec ton âme. Tu as entendu avec quoi? On va courir. Je pense qu'il ne veut pas te boxer. On va courir. Choigne. D'accord? 30 minutes. Tous les jours, en 2024. Tu vas sentir l'année olympique, là. Teste un peu. Tente un peu d'appeler. Et que si je vous. Tu as vu? Envoie du gagnerai. Envoie-le. Sache que je suis prêt. Tu vas sentir ça. C'est-à-dire que quand je vais te prendre tes mimbans, veine après veine, veine après veine, ride après ride, tes mimbans frippés là, tes mimbans ridés. C'est-à-dire que veine après veine, ride après ride, tu vas emballer comme ça, attacher ça, et puis je vais te pendre avec ça. Tu vas sentir. J'attends un de tes alliés. Ils ne seront pas répondus. Je suis sur toi, Hora. Et ça ne chauffe pas. Je t'attends.